fonctionner. Oui, nous mettre dans ministère wana etali ya télécommunication. Si vous bisonnez nous as couba perdant. Pour tout bénéficier dans monter. Bon wana zokende wa. Après cette explication claire. Pas baye ba ke non bon wana zokende na canal nini. Donc à ma carte ngana no ba. Et que na gratuité d'enseignement. Jamais. Et que na quantité en gratuité jamais zokende dé. Pour ce que nous na gratuité pour bon bon ba tinda ki wana ute ba fond ute libanda. C'est un bon mot, il y a qui prend la gratuité en scène. Bon, on a qui va. Il y a la poche à battre. Donc, vous là, vous êtes contre RAM. Ah, voilà, Bena, pas 4 ans. Balongola. Bon, on te voit, toi, bon, à passe. Un bon mot, d'autres, nous, quand on a passe. On tient crédit dans un an, pour bien la battre. Le chabri parle, n'est-ce pas le moins, on a crédit, ça, pour d'être, nous, pas 4 ans, déjà. On a crédit, ça, tout. Pour le taxe sur le RAM. Moi je pourrais dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Si l'objectif est réellement de partager la connexion partout dans toutes les pays, dans toute la ville, c'est une bonne chose. Mais si c'est seulement des endroits ciblés, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Parce qu'avant même qu'ils puissent introduire ces taxes, il faut d'abord nous informer, nous la population, pour dire que voilà, pendant ces quelques temps, pendant ces temps, nous allons commencer à couper certains taxes sur vos crédits, sur vos réseaux. Et mais eux, ils ne nous ont pas informés. Ils ne nous ont pas indiqué quelque chose pour nous dire que non, ils vont commencer à nous couper des taxes. Mais moi, je dirais que si réellement ces taxes, appelées RAM, c'est pour nous aider à profiter aussi de la connexion Wi-Fi gratuitement, comme c'est dans d'autres pays internationaux, je pense que c'est une bonne chose. Mais que ça soit pour un délai réel et pour que ça soit vrai. Donc, je pense que c'est ça. Mais pour ce que les députés pensent de cela, qu'ils laissent d'abord le ministre faire son travail. Qu'ils puissent laisser le faire son travail et nous pourrons voir si ça va donner quoi à la fin. Je pense que c'est ça. Par rapport à la plénière qui s'est passée hier au niveau de l'Assemblée nationale, les peuples ont été décis. Mais comme les députés complotent contre les peuples, Les peuples vont s'arranger et les peuples vont se mobiliser et il va mener une lutte sans relâche. Il faut débouter, il faut défier et les députés qui sont en train de comploter contre les peuples jusqu'à ce qu'on va gagner la bataille. Je pense que non, le combat ne fait que commencer. Et ça montrait même l'implication de Félix lui-même parce que le ministre a fait des révélations que la taxe RAM n'est pas seulement lui-même qui gère ça, c'est la présidence. Qui dit la présidence, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État est la personne le mieux informée. Il est au courant de toutes les réclamations du peuple congolais, mais il fait sourde oreille parce qu'il s'est fait tailler beaucoup d'argent sur base de ça. Mais je pense que non, lui-même, Félix, avait dit qu'il a un stylo rouge. Il a oublié que non, c'est le peuple qui a le stylo rouge. Et ce peuple sont en train de préparer ce stylo rouge en 2023. Ils ont déjà, on va acheter autant de cartons de stylo rouge. On va lui montrer que non, le vrai stylo rouge, c'est le peuple congolais. Je pense que non, il peut commencer déjà, Ndeko Félix, il peut commencer à préparer déjà ses valises. Et à préparer déjà les biais de la présidence parce que c'est un locataire de mauvaise foi. Et par rapport à RAM, de l'excellence Kibasa, bon, j'ai quelques impressions, mais purement négatives, dans le sens que on n'a pas vraiment un bon soubassement de ce qu'on appelle RAM, un registre, des appareils mobiles, quelque chose comme ça. Bon, cet argent-là part comment et puis quels sont les sous-bassements et puis c'est cadré dans quelle caisse de l'État, on ne comprend pas. Donc, s'il faut qu'on se réduise, M. Kibasa, il doit présenter les sous-bassements et il doit faire voir aux représentants du peuple, dont les députés, comment ça se passe, le rouage de cette taxe-là qui est imposable. Ce n'est pas vraiment sérieux. En quelque sorte, les députés du PPRD, si se sont comportés comme ça,
c'est à base du regret vis-à-vis de leur organisation, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez un camp des opposants, et puis il y a aussi un, de l'opposition, et puis il y a aussi un camp du gouvernement. Bon, toi, tu es là, tu n'es pas à mesure vraiment d'expliquer convenablement le problème de là. Sache bien qu'il y aura des mécontentements. Effectivement, c'est ça. Ouais, na yebike Nicolo, Nicolo tu as un problème et un téléphone balobi à Ram. Soit tu es crédit na yo, au moins la carte pas ma carte crédit yo. Place crédit est ok, c'est banaté. Oh Ram, Ram explication Ram na biso peuple tu évites que tu sois ani tu évites. Tu as contre le loco anato super la moto, ça m'a fait. Pour tirer crédit de Robin, vous en avez pas de Robin à l'Icamon pour évaluer une intervention avec Cambana. Vous avez un bon thème sur le Basunga Kio. Pour tirer crédit, au moins il n'y a pas de Katiango Ram. Et ce est banaté Ram et Lobinini. C'est bien monté. Bon abisso, les amas bêtes pour la couverture. Pour que Bana Batanga bien. Mais ça l'a nanté, moi quoi, malam ou qui est mon pignon, ça a couru à l'Icamouana. Mais mon taille pité, ça le voilà. Baso Ibam. Bon, mon Dieu, ça a mon commissaire, ça a la fille à passer. Ça va pas. Alors la page naie, à ce moment que dit naie qui a des connaissances, ça nous cite à qui a reçu naie. La moyenne par mois va quatre crédit naie wana. Est-ce qu'il a reçu un essai? Alors l'essai monte, alors la page naie monte maquée. Comment crédit n'anga va quatre? On se voit au bandelandé ni pour acheter sous crédit. Pour la gratuité, pour la banane, on a besoin de boire. On monte les amalam. Les amalam, on se parle et que les amalam, mon voit bien que. Nous sommes tous les deux qui ont fait la question. Nous avons fait la gratuité. Mais comme si nous avons fait la gratuité, nous avons fait la gratuité. Nous avons fait la gratuité. Nous avons fait la gratuité. Nous avons fait la gratuité.